Hein? Côte des Arades, il y a un peu le chef qui déjà prend disposition. Un peu le chef qui a dormi dans la zone. Non? Oh, on voit. Un peu le chef qui a dormi dans la zone. Non? Et pour planifier la veille 18 mai, même si à Kaye avec Port-au-Prince, c'est 45 minutes ou bien une heure de temps. 60 minutes, si vous voulez, comme ça. Il y a des chefs, notamment président ou bien premier ministre, qui ont débarqué au petit jour, soit 7h ou bien 8h. Puis c'est d'ordinaire, cérémonie officielle, yo, ça n'est l'été de homme, non. Li toujours, on dit t'es de homme, non. A toujours chanté à 9h. Et dans l'intervalle midi, dans la cérémonie officielle, ils ont toujours organisé dans la place d'Amio. Dans la place d'Amio, pour ça, je dis dans la place d'Amio, ce n'est pas le fait qu'il y ait plusieurs places d'âme et plusieurs fêtes nationales, notamment 1er janvier, 18 novembre, 18 mai, 17 octobre. Je pense que je suis capable de citer 4 fêtes nationales à eux. 4 fêtes nationales à eux seulement. C'est longtemps, c'était gros causé. Mais depuis quelque temps, moi, je voulais quoi depuis sous régime PHTK. Je ne parle pas de régime PHTK. 14 mai, que je suis passé l'affaire 13 ans depuis qu'il y a eu un contrôle PIA. Soit on prend le départ ou même, ou bien avec présence l'autre figure, nous peut-être qui en dans, qui faut filer en dans plusieurs secteurs. On a couché le PIA. Et mais depuis la période, ça, nous avons une banalisation qui fait des fêtes nationales, nous, ambiance ça ou pas fait. Lorsque vous avez 18 novembre, 18 mai, 1er janvier, excusez-moi, vous arrivez à Paysien, à Kaye, la valade, c'est gestion ça bien. Et là, ça va être Campèche débarqué, Koudjaï, Tipaï, la veille, vous avez un plaisir. Parce que d'ordinaire, les chefs là pour aller débarquer, et les soirées EDH à Bégouan quand même, pendant toute journée, hein. Travaux publics à passer maintenant en route, yo. Pendant toute journée, hein, parce que une façon pour le président de venir en route, yo. Mais avec question réseaux sociaux, ça n'a pas existé. Parce que certainement, le président l'a rentré la Kaili, il a gardé l'autorité départementale, yo. Autorité locale, yo pas réglé rien pour ville de provision, sinon que yo tend les chefs là pour venir. Ça veut dire mit sali même li tombé avant même chef là venir, obligé faire planification. Ça capable gagner qui différent, c'est toujours un militant. Des militants qui servent et sauvé yo chef là pas rentrer, mais son gestion de l'argent, mais son activité commence go naïve avec nèg rabotou. Hein, son activité commence go naïve avec nèg rabotou. Notamment lorsque Yuri la tortue sénateur de la République. Si vous dites au président va venir naïve, après le mouvement commencé depuis la période 20 décembre, parce qu'il faut que la vini quand même, parce qu'il faut que la brise soupe. Son pratique les vini. Ça veut dire, il n'y a pas de frère, le chef n'est pas déplacé, pas parce que vous pouvez faire affrontement, non, mais vous avez l'argent épargné. Elle n'est qu'à faire mouvement, vous n'avez pas le chef la vini, c'est négocier, vous venez négocier avec elle. On voit négou a fait mouvement, li pa fin pa vle chef la vini, mais fol moutron bagay pour kob la vini jwenn li. Son pratique lié, li vin au business. On voit li vin au business. Donc demain c'est 18 mai et 221 l'année pour création drapeau haïtien, et bien cap célébrer dans tout côté dans pays a, mais autrefois c'était dans AKE cérémonie officielle qu'on organisait. Mais fois ça c'est dans Villa d'Akela, et c'est dans Villa d'Akela. Mais on grand barre moi veux dire nous pas que on cap créer buzz, cap créer sensation, moun nous cap dire et pouvoir courir pour AKE, mais on connaît moun yo monter la 25 avril. Pas un qu'un mois, vous allez célébrer 18 mai à Kaye. Mais même nous, ça t'a supporté Ariel Henry. Hein? En 2022, Ariel délocalisé. Et 18 mai à la célébrer le Cap-Haïtien. Ou même nous, ça y est, il dit Maurice Jean-Charles 20 18 mai.
yo di le vendre ni 2023 li va célébrer le ken côté c'est ça 2023 li va célébrer le ken côté non m'kwè te gon barek te fait non c'est 18 mai 2023 que te fait au cap haïtien 2022 Ariel te gita la caillé parce qu'il est arrivé dans le pouvoir 13 juillet oui c'est 20 juillet 2021 2022 le DAKR 2023 il fait au cap haïtien 2024 yo font ti geste non 2024 là je dis pas dans célébrer li 2024 là va célébrer li en distance donc là on mettait au pouvoir courir pour AKR menti parce que pas qu'on gagne planification et pour l'état pas pour faire ouais l'état doué pour faire planification pour toute bagaille bien passé moun qui veut prendre plaisir à prendre plaisir moun qui veut faire des ordres certainement faire des ordres mais qu'on côté la police va le mettre donc pour que quelqu'un moun gab dit au pouvoir courir pouvoir pas célébrer 18 mai messieurs dames qui là yo même si yo gen tout défaut pa yo même si yo lou tant qu'on prend 50 mais pas gen temps pare pour célébrer 18 mai à Kaye c'est vrai à Kaye a pas organisé activité quand même parce qu'il y a des gens qui continuent à vivre à Kaye, sauf qu'il y a des activités officielles qui ne sont pas organisées à Kaye. Mais nous souhaitons, 2025, nous avons été OK. Bon, il y a des gens qui ont plein avec bot étrangers pour venir là. Mais nous vivons déjà, après le débat Jean-Bertrand Aristide, nous gardons 18 mai qui était fait à Kaye avec présent soldat Loni qui était dans le pays. Soldat Loni, et nous, presque fait 20 ans avec elle. Nous parce qu'il fait 20 ans avec de 2004 et moi quoi yo aller yo finale net sous Préval deuxième version alors finale net sous Michel Martelly mais ça pas empêché sous Jovenel Moïse bureau intégré Nations Unies était toujours là avec messieurs dames Ariel Henry c'est depuis mal parce que quoi dans en pile mais yo toujours là qui ça gagne pour Port-au-Prince comme activité officielle. Dans un temps, on a organisé nos activités dans la ville d'Akaïla. Officiellement, moi crois c'est Edgar Leblanc et Michel Patrick Boisvert qui doivent prendre la parole. Et moi crois Louis Gérald Gilles, Leslie Voltaire participer à l'activité ça. Et puis après l'activité, moi crois Louis Gérald Gilles. Et Leslie Voltaire, yon gen doit monter Kinskoff et Forjac. Mwen kwe Leslie Voltaire gon kay nan zon nan. Bon, faut la le faire well tourner. Si nèg yo te pran kay la pou la montrer bonjour Diane chez chef, bon défi m'pa ka perdi kay mwen. Faut le monter en l'air pour l'organiser en l'autre activité officielle encore sous dos l'état. Fritz Versiller, Emmanuel Versiller, Fritz Alphonse Jean, Smith Augustin, yo tout yo trouvé yo au cap haïtien depuis jodia. Yo allé dans deux vols. Il pas participé à aucune activité officielle qu'a fait Port-au-Prince. Emmanuel Vertiller, Smith Augustin, Régine Abraham, Fritz Alphonse Jean, yo tout au cap haïtien. Régine était parti, la radiation petite li, mais gen bras qui tombé, li gen tan kou retourné, li au cap haïtien la fête, il va le fêter 18 mai au cap. Et moi quoi ministre éducation nationale là, Nesmi Maniga qui est à l'étranger. Mais 18 mai arrivé, et ce sont des années boisses, et ce sont des années l'argent qu'a fait, mais il y a cap haïtien, et moi, quoi, gagner en pile, vraiment, en pile l'argent débloqué pour 18 mai au cap haïtien. Mais gros morceau, moi, quoi, c'est secteur privé, hein? Oui, madame Doville mérite gros morceau que nous là, parce que, presque, 15 ans, presque 15 ans, presque 15 ans, depuis la organisé activité 18 mai au cap haïtien, mon cher Simon est toujours habillé belle. Et veillez photo pour la photo cap haïtien à partir de demain, de l'Institut Sacré-Cœur et toute l'autre école qui existe dans la deuxième ville pays. Collège Crissois du cap haïtien, Collège Pratique du Nord, ICAF, de mettre les lieux petits frères. L'école Sayo, c'est toujours, toujours, et remporter la maillole dans la question 18 mai au cap haïtien. Voilà, pas bien défilé, mais activité officielle yo a organisé et moi quoi neuf secteurs yo a représenté dans cérémonie officielle qu'a organisé dans Villa d'Akela
ils sont autonomes de presque 90 parce que moi apprendre c'est presque 10 monde par secteur, presque 10 monde par secteur, et n'a présent au Cap Haïtien dans l'occasion 18 mai dans deuxième ville dans deuxième ville pays a, et puisque là c'est bastion 18 mai, là c'est bastion talent, là c'est bastion toute belle activité qui gagne en dans pays. Moi parle avec nous des Cap Haïtiens, mais là nous allons laisser joindre Patrick Almono qui c'est un agent exécutif pour un petit bout de temps, agent exécutif adjoint dans deuxième ville pays. Moi quoi là qui sous quatrième 18 mai, nous allons regarder qui ça gagne comme activité pour demain dans deuxième ville pays puisque nous connaît là à Paris pour recevoir un pile monde. Nous déjà gagne sous les noms Patrick Almono, bonsoir, un plaisir pour nous parler avec vous dans l'émission Boukante la parole, comment nous y est? Bonsoir, un plaisir pour nous participer, on voulait aussi pour le fait que vous prenez la lettre pour nous participer et bailler beaucoup plus de détails des formations sur les Haïtiens. Et nous connaissons depuis longtemps que les Haïtiens sont destination. Et ce qu'on vous dit, c'est que la municipalité est vraie. Nous connaissons qui a une force et qui a une faiblesse comme tout produit. Je dis à Cap Haïtien était cette seule ville qui se permet que le pays a connecté avec le monde. Voilà, Cap Haïtien, depuis après le pays a lui-même lui bloqué, tout le monde changé en deuxième ville pays qui existait. Il a monté machine, il a monté moto, il a monté cheval, il a monté bourrique, pour il a monté bâtiment pour arriver au Cap Haïtien. Avec un seul espoir, depuis au Cap Haïtien, il y a safe, il y a la tranquillité, il y a joué un accueil qui n'est pas même avec l'autre région. Mais au quoi tout, depuis une qualifié pour aller dans Biden, c'est garantie totale de capital. Tout à fait. Son référence que nous avons. C'est pas ça que nous avons, c'est pas ça que nous souhaitons. C'est souhaité, mais c'est ça en réalité. Mais parce que nous devons faire effort pour que l'esprit ait un Cap Haïtien. Mm-hmm. Moi, c'est effort ça lui-même l'a venu, mais c'est chaque monde qui doit faire effort par eux. Au Cap Haïtien, il y a une difficulté par lui, mais nous font en quelque sorte pour Villa, il y a un minimum de sécurité, il y a un minimum de propreté, même si en pile fois nous connaissons conseil municipal qui là nous prend pile frappe sous réseau, nous prend pile frappe en bas bouche monde, mais ça pas empêcher n'a continuer faire travail nous Patrick Almono. Avant d'entrer d'emblée, Mamedo, nous la veille 18 mai, essayez de présenter nous deuxième ville pays à qui ça. Si on mon département qui est capable d'arriver au Cap là, qui ça l'a besoin la veille 18 mai? Bon, actuellement la ville là vraiment est en branle. Vous dites que sous paraît et la montée des saints, parce qu'on est à cause de et mon cap qui est presque venu à chercher la paix. Et mon ça a même été mon stress, et là, comme on arrive au Cap, il n'y a pas arrêté en temps encore, il y a une possibilité, il y a une opportunité pour le virer. Ça veut dire que Villa, vraiment, il y a un bouleverse, et même dans tout, on a contrôlé tout, il faut dire ça. Parce que, il est évident que mon Cap vient, pas seulement bon monde, il y a un mauvais monde qui vient tout. D'où il est important pour qu'on prenne des mesures, travailler avec la police, pour assurer que nous avons un petit minimum que nous gagnons. Et là, il y a un programme, il y a une activité nocturne, ça veut dire que bon vie qui existe sur Cap Haïtien, quel que soit l'heure qu'il y a, 1h, 2h, 3h du matin, ou il y a une possibilité sur l'enveloppe capable d'aller à la CAO, avec qui est-ce. Maintenant, il était, j'en dis là, pour nous Kimberly, et pour nous, par rapport à comme son produit, nous avons force, nous avons faiblesse, et nous était quand il y a là, comment convertir faiblesse, en l'opportunité pour que nous capables. Il fait Cap Haïtien un challenge de la Caraïbe, pas un challenge, parce que nous-mêmes, nous, Cap Haïtien, pour Salvo déjà. Et nous-mêmes, et à un moment, Cap Haïtien, c'était un magasin de la Caraïbe pour Cap Haïtien. Et je dis, parce qu'il faut que nous travaillions. Cap Haïtien était non tout à un moment, mais je dis, on a travaillé pour nous faire de Cap Haïtien en véritable destination culturelle caribéenne. Mm-hmm. Et c'est vrai, activité officielle pour le département de nos pays, dans l'occasion du 18 mai, l'avons organisé dans la deuxième ville pays. Mais à ce moment-là, on dit au monde qui vient dans la fin de plaisir, qui sa plaisir lui-même lié. C'est l'argent qu'on a dépensé, l'hypoal non-club. Bon, dit, mais c'est organisé officiel la veille du 18 mai. Gain activité n'a fait sous place ça gain vrai patriotique gain traditionnellement toujours gain on marche au flambeau qui fait pour annoncer 18 mai et gain activité sous place ça
et qui permettent que le monde jouer certaines choses. Maintenant, il y a Jean-Dula Gimbal, il y a un bal qui a fait de la carrière restaurant, il y a tout le restaurant et club qui sont boulevard là, il est ouvert, il y a des activités. Ça veut dire qu'on a des possibilités, dépendamment qui s'est aimé, il est capable de faire choix, s'il va venir sortir, il est capable de monter et autour de l'Abadie, autour de Cormier, autour de zones pour plus ou moins font repos, pour relax, un petit peu avec la paix. Et s'il veut intéresser toi à sortir, il y a un programme d'eau pour permettre que lui-même ait des activités. Notre thune vous permet que lui-même est capable de dépenser et comme quelqu'un n'a pas acheté. L'État est présent dans deuxième ville pays, dans la période de la Pagne, et on a un président, Pagne, un premier ministre qui l'a promis dans la fin. Mais ça que certains gagnent des officiels qui fraîchement prennent pouvoir, notamment gagnent trois. Il y a quatre noms qui sont présents dans le département de nos pays. On a parlé de Régine Abraham, de Fritz Alphonse Jean, on a parlé de Emmanuel Versilaire et puis Smith Augustin. Qui s'est planifié pour 18 mai dans la deuxième ville pays? Bon, très bien, ma preuve que nous avons deux réunions que nous participons là-dedans personnellement et nous participons comme mairie avec Mireille Sibostou. C'est qu'une des bonnes réunions que la municipalité a planifiée pour gouverneur ou président Fritien, côté qui était gagné à peu près différents directeurs, enfin un de directeurs départementaux, qui était présent pour nous dégager des problématiques région hein, par rapport à contrainte que le directeur a gagné pour qu'il s'accueille au vacabat et service dans le que le compte. Imaginons en direction de la pointe PTC qui gagne 1 million de gouttes de gaz par année, qui part à 83 000, qui part à peu près 83 000 gouttes de gaz. Une goutte de carburant pour un mois, et sous-divisé par 19 communes, ça va ouvrir au moins 5 000 gouttes de gaz par commune. Ce qui peut dire que le problème ça aurait existé. SNGAS qui lui-même, qui t'a supposé là pour ramasser facteur, il pas existé, il pas de machine, il pas de faute, il pas de. Ça aussi c'est un problème parce qui puisse au côté que toujours petit mairie municipalité assez vrai nous avons une responsabilité comme chef maintenant comme rôle de coordonnant, comme rôle de coordination et de synchronisation, mais en même temps toute direction des services déconcentrés qui là, qui a un budget pour eux-mêmes, qui t'a supposé intervenir, soit en amont ou en aval, il n'y a pas existé parce que tout bagage dépend de Port-au-Prince. Et je dis à moi, parce que s'il y a possibilité pour nous-mêmes, nous sommes opportunités, côté que nous avons deux ou trois mouns dans l'ordre qui ont une chance. Et pour nous-mêmes, c'est un vin, et au niveau de la société civile, au niveau du secteur privé, comment organiser pour profiter de l'opportunité ça a, que vous gagnez, qui va faire que il faut que vous finissiez avec tout par et pour Port-au-Prince. Ça veut dire que tout le monde est fait. Au cas où je dis à Cap-Haïtien, l'argent a fait dans la commune, ou gagnez un niveau aéroport, ou gagnez un vol passé de 7 000 à 23 000 personnes qui ont fréquenté l'aéroport du Cap-Haïtien, il n'y a aucun gros investissement sérieux qui fait sous aéroport. Ça veut dire que l'aéroport a besoin d'un nouveau aéroport pour que ce monde imagine les mardis, samedi, pour ouvrir un Bahamaser, ou gagnez, je dis, avec Spirit qui retourne, plus et son âge qui a un volume, son âge qui a un mouvement ça a avec 3, 4 vols, jusqu'à 5 vols parfois. Et on m'a dit beaucoup moins que je ne peux pas connaître, vous n'avez pas bien imaginé que ça n'a pas bien vol capital 7 heures du soir sous le Cap-Haïtien. Et alors que des écarts à 4 heures vol pas supposé faire sous le Cap-Haïtien, ça veut dire que où on a un aéroport qui vient de volume pression sur lui, que ce soit un vol cap sous le à travers les coupliers, que ce soit un vol international, que ce soit au niveau Token Ticos, au niveau Bahamas, au niveau Providential. Et ça, c'est fait que l'aéroport aujourd'hui, il vient dépasser. Maintenant, il m'a dit dans les médias qu'on investisse dans le fait pour permettre que nous élargissions l'espace. Il n'est pas normal pour que mon avenir, il n'y a pas gagné, c'est chaleur, c'est bagage. L'argent, ça doit retourner au cas parce que le principe là, clair, il dit qu'il faut gagner 25% de l'argent fait tout commune pour le retourner. Ça veut dire que pour nous-mêmes, bah, cette bataille, ça, avec conseiller, ça nous gagne, qui c'est des conseillers du Nord ou du Cap, nous gagne intérêt, nous gagne intérêt. C'est pas seulement des conseillers du Nord, mais c'est conseillers pour tout le pays. Ah. Oui, non, ça me veut dire que nous avons une réalité, parce que tu as vu dans la commune, tu as vu dans le département, tu as un problème provincial. Ouais. T'as dit centralisation, il y a eu des vivres. Et ce moment, imagine, nous avons de près de 4 ans, nous avons un courant, non, commun, alors qu'il y a un bon central qui, que le président Jovenel était fait, qui n'a pas fini pour un lien. En détail. So, ça, c'est des bagages qui ont vu. Si aujourd'hui, il y a une opportunité pour une chef, pour diriger le pays, vous avez des problèmes de déconcentration ou bien de décentralisation qui doivent profiter dans le moment de transition qui est réel et qui est réel.
Parce que le problème pays avec la centralisation, tout le bagage en fait n'importe quoi. Et c'est qui ça qui va gagner n'importe quoi. Parce que c'est la l'argent, la l'argent bois, c'est là tout le bagage en fait. Tandis que ou pas de conseil, ou pas même que l'autre zone, tout le monde a monté pour le prince pour survivre. Et puis bon, tout ça bon là, dans le cadre pour protéger l'intérêt. Tu comprends? Ça veut dire que je dis à nous avons intérêt pour que le monde ait une opportunité, pour que sans que c'est au niveau national simple, mais il y a des problèmes fondamentaux qui concernent les départements, régions, il faut que vous posiez et vous même venez avec des solutions. Et c'est ça qui marque la différence par rapport à l'autre monde tout. On a pas regardé qui ça gagne comme activité pour 18 mai, on parle de salubrité dans ville là. En termes d'appui, nous connaissons ensemble d'institutions, surtout parler de 1 million de gourdes pour travaux publics et sous voulez justifier les sous diviser par 19 communes, il va même joindre 5000 gourdes gaz par mois. Nous connaissons grand institution qui gagne dans ville là depuis quelque temps, grand pile activité la fait dans ville là, même si qui recevoir en pile critique, mais c'est pas faute par eux. On institution d'un coup dîner pas qui appuie les bails pour nous arriver à ce niveau le Cap-Haïtien. Dîner pas bon anti assainissement à peu près 90 000 dollars US qui à peu près grosso modo 12 millions de gouttes et parmi il y a que le bal cob là comme cash, mais comme bien des compagnies privées qui travaillent avec eux qui t'as fait des travail et t'as coupé et là pour faire pour mettre les tuyaux, même compagnie ça ils travaillent avec eux pour faire curage et enlèvement. Mais certainement c'est sous supervision mais Cap-Haïtien. Pardon? C'est sous supervision mais Cap-Haïtien. Sous supervision mais Cap-Haïtien. Maintenant, je travaille avec ça, même pour finir, jusqu'à présent, il y a une quantité de mètres cubes de déchets que je supposais lever pour nous-mêmes. Et tout les tuilages, tout au niveau des sections communales de Petit Est, je supposais faire. Nous faisons avec du Cabla, qui est plus ou moins intéressant. Maintenant, on travaille sur l'autre bord. Maintenant, il y a une quantité d'équipement, tout, en termes de bourrettes, pelles et ratoires, tout et tout, pour permettre que, actuellement, il y a une quantité qui est déjà dans la rue à Cap Travail pour faire 6 cuillères, 6 cuillères défilées. Ça fait beaucoup rentrer sous 18 mai, mais nous y avons une centaine de monde qui est déjà dans la rue à Cap Travail là jusqu'à 3-4 heures du matin. Et parce que je m'applique demain matin, 8 heures, et on a fait monter du drapeau devant les rires, comme on a fait l'année dernière. Mm-hmm. Et après monter du drapeau, on a parlé dans un mestan qui supposait Tédéum là, suivi de Tédéum, et à 8h30, et probablement 10h30, mestan fini. Et puis la mairie a poursuivi dans le salon municipalité, et conseiller qui l'a eu, et aussi et d'autres. Et nous avons dit d'autres cadres ou bien d'autres personnalités, que ce soit les directeurs départementaux qui sont intéressés, tout le monde est délégué, vice-délégué, ils ont même été supposés participer dans le buffet que la municipalité a offert dans le cadre de la carrière, le buffet du bicolore. Mm-hmm. Buffet bicolore, et à part des dîners pas qui est de nous à ce niveau-là, puisque la ville est extrêmement sale, puisque nous avons une période de 18 mai, vous voulez dire, pour PIA, notamment pour Cap-Haïtien qui toujours remporté la maillot, on regarde des belles photos, ça, notamment Institut Sacré-Cœur, Collège Christois, Collège Pratique du Nord, Institut Royal du Cap-Haïtien, c'est vraiment un bel bagaille. Qui l'autre activité à part de napisser drapeau à 8h boule exactement à 8h30 nous prenons messe suivi de Tédéum et puis n'a recevoir dans mairie qui l'autre activité que prévoit encore après ça on est défilé qui a commencé à 10h. Des défilés à l'événement. Nous avons des rencontres que nous faisons avant hier. Nous avons rencontré à peu près une vingtaine d'écoles qui sont intéressées, qui viennent fanfare, qui ont participé, qui ont défilé. Et une vingtaine de fanfares, ça, je suppose, c'est ce carénage à partir de 2h de l'après-midi. Il y a des faufilés jusqu'à 90. Bon, malheureusement. Allô? Nous avons perdu contact là avec Patrick Almona. Nous avons refait contact avec Patrick Almona qui est un HCR deuxième ville pays et pour nous capables de parler avec l'INA émission et émission et boucanté et la parole. La PCE fait contact yo et pour nous capables de parler avec lui et pour nous capables de parler avec lui pour nous essayer et garder qui l'autre activité à part de toute salle sous dit là et dans l'occasion 18 mai c'est vrai qu'il t'a dit non et toute activité alors défilé et 18 mai l'a organisé
à 2h dans de l'après-midi, mais nous allons regarder dans qui espace qui d'origine c'était Parc Saint-Victor, c'est là majorité même qu'on a dansé et il y a défilé, mais près final là c'était Parc Saint-Victor, mais nous allons juste essayer regarder qui bon défilé à qui bon l'a commencé et qui bon défilé à lui-même là puis fini. N'a pas essayé rejoindre Patrick Almonor dans l'autre numéro puisque un petit problème technique qui rive nous là avec numéro ça. N'a pas essayé rejoindre Patrick Almonor là malheureusement qui pourrait passer avec nous et n'a pas parlé avec plusieurs monde dans espace boucanté la parole certainement Patrick Almonor et Patrick Almonor un numéro qui après le mais qui était téléphone pour la disponible moi qui était téléphone pour la disponible souhaitez nous pas prendre nous. C'est un petit problème technique qui arrive avec le téléphone qui n'a même pas. Ou mais quitte le téléphone pour la disponible. Nous-mêmes, nous rejoignons rapidement Patrick Almonor. Quitte le téléphone pour la disponible. Nous avons essayé de rejoindre nous là très rapidement dans l'émission Boucanté et la parole pour nous garder qui ça réalité à lui-même lié. Patrick Almonor. Patrick Almonor. Quittez téléphone ou disponible pour nous, s'il vous plaît. Quittez téléphone ou disponible pour nous. Vraiment, nous avons une émission là. Nous avons connu des moments difficiles. Même parce que c'est la dernière fois. Nous avons vécu la réalité, nous avons vécu là. Nous avons vécu là encore parce que ça, il est capable de finir avec le monde. Ok? Nous avons vécu là, il n'est pas doux même. N'importe barre est capable de briver, ok? Nous paris et nous paris avec une Patrick Almonor. Nous paris avec une Patrick Almonor. À la vivre là, c'est extrêmement difficile, ok? Parce que c'est Diane expérience qu'on a fait là. Merci Marcel Joseph. Hein? Et merci Marcel Joseph. Parce que ça, la vivre là, vraiment, li pas facile. Marcel Joseph, KPC. Et font un arrangement pour nous là. On regarde qui ça va aller là. Et bon, nous pas arrivé joindre Patrick Joseph. Alors Patrick Almonor, nous pas arrivé joindre Patrick Almonor et pour nous être capable conclure avec lui défilé à côté défilé à lui-même l'a commencé et qui bon l'a fini puisque nous connaît pour gagner un jeu fixé. Toute caméra pour le bois qui sous deuxième ville pays a une image li pour le voyer des drapeaux pays a une image hein pour le voyer des drapeaux pays a parce que nous devons garder ça yo mais nous devons garder tout en termes d'énergie puisque d'ordinaire c'est les chefs qui a venu gain courant nous devons garder et par contre non là n'a pas essayé tu veux regarder qui démarche qu'a fait pour OK me devrais regarder ça bon là on va arriver joindre Patrick Almonor certainement qui dans zone qui pas bon pour lui mais côté moi même t'as essayé faire tout arrangement pour ne parler avec lui quand même mais situation oh ok on va s'arriver à lui là c'est problème là il est lié ok bon là nous pas arrivé trouver Patrick Almonor pour nous être capable de conclure avec lui moi je voulais qu'on prenne le téléphone on t'a parlé avec lui hein je voulais fini ok parce que je voulais qu'on aime parce que quand on va descendre il y a des gens qui doivent faire défiler hein. Mais il y a connait côté monsieur Damio pour faire exhibition yo on est capable tenir là malheureusement nous pas arrivé et connecté avec Patrick Almonor nous pas arrivé connecté avec Patrick Almonor certainement là est-ce que là toute bagarre capable paraître OK oui là nous rejoignons Patrick Almonor alors Patrick Almonor on t'a passé et on t'a dit à 2h de l'après-midi c'est pour le défilé hein défilé 18 mai là commencer qui zone dans deuxième ville pays a carénage OK de carénage on commence carénage et autour de carénage il défile pour 90 boulevard dans rue du Caire et à 18 90 boulevard et 24 boulevard 24 boulevard pour 24 A
A, 24A, longé jusqu'à rue de A, rue de A, rue de L, rue de L, rue 18L, 18L, rue 20H devant mairie, et c'est là qu'il a fini. Ah, ok. Donc, allez-y, Parc Saint-Victor, Anéa, pas recevoir 18 mai. Non, pas rien. Nous avons un stade pour connaître les concernés directement par la question du GMR. Le temps logistique pour mobiliser, pour faire ensemble de bagailles, sécurité et tout, et il n'y a pas choisi que vous faites des mobilisations en termes de ressources. Je préfère que vous priorisez et on se le défile. Voilà. Mais les chefs présents qu'on a toujours bien courant, nous connaissons, nous avons vu qu'il y a un blackout. C'est chaque monde qui est accommodé pour mettre de l'énergie là. Est-ce que dans la minute que nous avons parlé de la ville et courant? Jusqu'à présent, non. Au contraire, j'ai dit qu'il y a une réunion de parole de tout à l'heure avec Martin, avec le président, avec le conseiller président de la Gadi-Fidjan, pour dire que le directeur de DHA était expliqué, exposé la problématique de DHA, pour dire qui ça a besoin pour qu'il soit capable de finaliser non seulement un nouveau central que le président Jovenel a commencé à, mais tout et ancien central président Brival de Gadi aussi matière que qui a besoin pour réorganiser lui pour permettre que vous synchronisez les deux pour que vous capable de servir pas seulement Cap-Haïtien mais région nord là, pas région nord là mais département nord là. Maintenant un problème à ce niveau là et normalement il faut gagner gaz et l'IDH même il pour gagner gaz il faut sortir ici pas de point tout en connaît le problème qui gagne ça veut dire que moyen d'avoir un financement en fonds côté que il est capable d'acheter gaz là directement dans mon entrepreneur et là ça l'IDH t'a gagné gaz mais fait finance t'a débloqué possibilité ça son possibilité mais ça dépend à niveau ça c'est ça qui gagne et vous connaissez tout le concentré pas de point ça va dépendre de et qui pression qui gagne pour ça d'être réalisé. Alors, mis à part gaz ou dit pas gagne, qui problème central au Saint-Marty et central Sainte-Philomène que nous connaît Jovenel Moïse réparé, qui problème yo gagne? Allô? Allô? Oui, bon. Allô? Allô, allô. Oui, allô, allô, vous dites qui problème oui, moi t'as demandé qui problème central au gain. Ou évoquer question gaz, mais second l'autre second problème technique. Est-ce que c'est problème gaz seulement? Nous dit qui problème moteur au gain. Oui, alors, central yo, qui problème au gain. Non, central et nouveau central n'est pas conjonctionné. Ok. Au minimum de gros, il y a qui aider pour t'avoir synchronisé lui qui m'a fait, qui m'a dit en fait. Et c'était que c'est pas de presse pour t'avoir pour t'avoir fait travail ça. Parce que par exemple, fait des présidents de Vermoul. Maintenant, et central, et aussi m'a dit à lui-même, lui, fini tout. Il y a trois moteurs, même si tu as balancé, il n'y a pas beaucoup. On a pris la barre en six zones pour arriver, il y a demandé pour comme travail, ça m'a dit un coup, et ça m'a donné une évaluation par le fait qu'on a changé mon échange de mazo, pour les bonnes mères, grâce à ça, en termes d'évaluation, et de la proposer. Ça a son arrêt technique, qui est supposé faire, et d'espérer que le conseil qui l'a passé à faire, parce que c'est du Nord. Et ensuite, nous gagnons nous gagnons Central. Allô? Oui, on a Central et qui nous. Ok, nouveau central qui a juste besoin en minimum pour finaliser et que même avec l'ancien central à mon côté normal, mais ça va alimenter toute zone au du Cap en plus. On j'en ai dit là. Ça nous fait partie d'un carré de charge au niveau du secteur privé des affaires de la société civile des citoyens du Cap et du Nord pour qu'ils fassent pression pour que le travail soit fini. Eh bien, ok, il y a ça qui rapport. Nous connaissons plus de monde qui descend dans la ville pour 18 mai, plus de monde qui passe pour transiter. Alors, qui doit dans l'autre ville. Bon, ça, l'autre ville, pays, puis à l'étranger. Sous la sécurité, comment ça est? Nous avons une petite tension qui a monté entre la justice avec la police. Comment ça est?
D'après ces gens, même parce que c'est très malheureux, même parce que nous pas un modèle, ça n'a pas de nous pas rentrer dans ça. Non, à passer son modèle côté c'est papa qui dit, parce que il est supposé conformer, il travaille ensemble pour vivre ensemble, pour que vivre ensemble dans notre vie, magistrat. L'analyse, c'est que c'est passé, c'est pas parce que c'est duré. Maintenant, pas vivre dans ça, en fait, pas vivre dans ça. Vous vivez ça, c'est vivre dans ça que c'est différent de vivre ensemble à parler à côté que c'est papa qui dit la justice et la police, ou la police auxiliaire de la justice, nous condamnons pour travailler ensemble et bon, le minimum de respect que nous devons gagner pour l'autre, parce que c'est deux institutions qui ont fonctionné, il faut que ça respecte les droits et par eux, c'est ça que démocratie côté droit, c'est là que je dois commencer. Ouais, ça me dit, je pense que c'est important pour que la société civile, là, le secteur privé, là, citoyen, la presse, doit faire un SOS pour dire que, attention, côté n'a pas passé, il ne peut pas mener nous aucun côté. D'où il est important pour que la société civile, la presse, en charge, parce que si ça allait plus loin, c'est avant que nous avons perdu comme acquis. Nous n'avons pas d'intérêt pour nous perdre comme acquis. Les policiers n'ont pas d'intérêt pour nous perdre. Et les membres de la justice n'ont pas d'intérêt pour nous perdre ça nous là comme acquis. Nous avons essayé de prioriser le département là. Merci un peu, magistrat. C'est un plaisir de vous parler. Merci un peu. Je me permets. Voilà. On a parlé avec Patrick Almond, magistrat, dans la deuxième ville pays et d'Haïti. Nous avons parlé. dans deuxième ville pays, ok. Donc nous devons aborder situation comme ça avec magistrat dans deuxième ville pays. OK. Pas de problème, nous fin parler avec magistrat Patrick Almono. Bon, là passé processus pour conseil et présidentiel pour recevoir monde qui doit candidat qui doit venir président ou bien premier ministre. Et bout de jodia, ou bien la bout à 11h59. Bon, comme on a un déficit de communication dans ce qu'a fait là, moun pa fin konnen ce qu'a fait là, effectivement. Mais quand même, c'est ça, moi-même, capable de dire nous. Mais hier soir, nouvelle là, je parlais de. Je parlais de nouvelle ça. Hier soir, dans l'émission. Boukante la parole, moi parler de nouvelles ça dans émission Boukante la parole qui fait un pile tollé et nous te font bon titre en a parler hier soir et même aujourd'hui encore nous font bon titre en a parler au lice selon Radio Télé Galaxy qui confirme selon source dans conseil là il a fait pile confiance Jean-Michel Lapin et inscrit comme candidat ou bien bon secteur décidé pour te non ancien premier ministre Jean-Michel Lapin comme monde qui doit venir qui intéressé venir premier ministre et hier soir nous faisons bon titre à parler jeudi encore nous faisons bon titre à parler Jean-Michel Lapin jusqu'à présent li gon seul côté qui intéressé li pas intéressé tourner dans primature li quoi et gen l'autre côté li capable ben coup de main dans développement pays ça Jean-Michel Lapin nous doit parler avec lui dans émission Boukante la parole la PC rejoindre là mais qui malheureusement nous pas capable passer avec ancien premier ministre Jean-Michel Lapin et dans l'émission Boukante la parole. Moi j'ai juste écrit lui est-ce que tout bagaille en forme pour nous parler avec PM Lapin après c'est fait contact là avec lui mais nous apprenons à présent gain on sent un monde qui fait des populations hein. Et c'est à 15 après-té et 15 là pour aller à 3
et c'est dans trois candidats eux pour prendre un premier ministre. Donc ça veut dire me passer là si on pas déposer pièce là pendant journée tout bagaille fini, tout bagaille fini pour n'importe monde qui pas déposer pièce yo pour venir premier ministre dans pays là. Donc c'est fini, jodi a demain c'est 18 mai, son page qui tourne. Donc messieurs pour le travail pour sélectionner monde qui gagne dossier au complet. Moun ki gen dossier au complet pour le travail sur ça. Nous joignons PM Jean-Michel Lapin. Nous pour le font parler avec lui dans l'émission Boukanté la parole à Soya. Et PM Jean-Michel Lapin, bonsoir. Merci Pasqua avec nous dans l'émission Boukanté la parole. Allô? Allô. Bonsoir PM Lapin. Merci parce que disponible pour nous dans Boukanté la parole. Allô, allô. PM Lapin, bonsoir. Allô. Ya, là, moi, attendez, PM Lapin, très bien. Est-ce qu'on recevra là, très bien, PM Lapin? Allô? Bon, là, on a une difficulté technique. Moi, recevra PM là, très, très, très bien. Mais on dirait que PM là, pas recevra moi pour faciliter l'interaction, yo. Dans l'émission, Boukanté, la parole. Là, n'a pas laissé, je viens de PM là. PM Lapin, bonsoir. Merci parce que vous mettez disponible pour nous pour nous faire parler dans Boukanté la parole à soir. Bonsoir. Bonsoir, Valistien. Est-ce que là, tout bagaille ok? Bon, problème n'est pas dans nous, non? C'est ni moi-même, ni Jean-Michel Lapin. Mais son problème communication qui gagne dans le pays. Son problème communication gain en d'un pays a regardez là li coupé c'est une façon d'être c'est régionné chef on parler avec PM Jean-Michel Lapin opinion lui sur ça gain là oui là n'a pas laissé là PM Jean-Michel Lapin bonsoir allô bonsoir PM Lapin aïe. Bon c'est vraiment difficile hein. C'est vraiment, vraiment difficile. Et PM Jean-Michel Lapin, bonsoir, merci. Allô, bonsoir. Bon, bonsoir, bonsoir Valestin. Et puis, nous dit bonsoir à tout auditeur, auditrice, qui est dans le pays qui est à l'étranger, qui est branché Boukanté là-bas à Souéa. Oui, nous allons Boukanté ensemble à Souéa dans l'émission Boukanté la parole. Hier soir, nous t'ai parlé sous ça, selon Radio Télé Galaxie, nous t'ai relayé là. C'est vrai, nous t'ai fait parler sous ça hier soir et pendant la journée nous font parler. Qui ça est dossier ça même lié PM Jean-Michel Lapin, non qui inscrit ou bien on sous selon Radio Télé Galaxie, il parlait avec lui, qui confirmait Jean-Michel Lapin et fait dépôt pièce lui pour une premier ministre encore en dans pays là. Côté nouvelle ça sorti. Bon, on a pu profiter de Mikoua pour nous dire encore une fois. Allô? Allô? Oui, moi là, m'attendez. Oui, on a profité de Mikoua pour nous la parole pour nous dire encore une fois que Jean-Michel Lapin n'a ni été intention à déposer pièce ni déposer pièce pour être capable de venir encore une fois premier ministre pays dans la dynamique qui est là aujourd'hui. Donc comme les médias en général c'est responsabilité qui a cherché un format. Oh l'éternel là communication est extrêmement difficile, vraiment difficile pour nous parler avec PM Jean-Michel Lapin dans l'émission Boukanté la parole. N'a pas essayé pour une autre façon. Et WhatsApp là lui-même lui passé, mais communication directe là avec PM Jean-Michel Lapin, lui très très difficile hein, lui très 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 difficile pour nous capable parler avec PM Jean-Michel Lapin. Fritson, Marcel, on prend pour ça, on a tourné. Si vous faites inscription pour poste premier ministre, nous pensons que le gouvernement, un conseil présidentiel de transition, est apparu
hein, pour y communiquer officiellement à la population les 80, 90 ou bien 100 prétendants pour poste ça. Donc, il y a une obligation de faire ça, il y a une responsabilité de faire ça, parce que il y a une population information sur tout ça y a fait, parce que c'est pour le peuple à gérer. Mm-hmm. Ou dit Jean-Michel Lapin pas ni candidat et ni pas de gain intention pour le déposer pièce li depuis les 12 processus là lui-même li l'ouvria depuis là ou pas jamais passé dans zone primatia mais côté au sorti là gain non la même ça qui passe bon il y a peut-être de chercher challenge pour moi même c'est peut-être ça deuxième bagage nous t'a dit étant donné que Jean-Michel Lapin dans une dynamique pour lui, à long terme, pour proposer by nation une alternative, une vision qui a dû développer sur déboucher sur le développement socio-économique pays. Hein. Là, son bataille politique qui commençait, nous, une bataille politique dans la CPA. Donc, c'est peut-être une stratégie hein, politique pour être capable de jeter disque. Dis sur ça, Jean-Michel Lapin a dit, depuis plus que 3 ans en d'un pays. Donc, nous commençons à comprendre comme ça, mais la petite population, la petite groupe monde qui choisit de faire travail ça, Jean-Michel Lapin, son nègre qui toujours été attaché à conviction, qui par jamais n'a fait zigzag dans tout ça l'a fait. Donc, nous avons une dynamique à long terme, hein, et nous pas dans la dynamique à court terme, nous construisons un mouvement politique qui relève la nouvelle orientation. Donc, nous sommes en phase, je dis, pour nous vendre le peuple à une alternative, parce que nouvelle orientation, c'est lui-même pas bon pour demain. Nouvelle orientation, hein, de proposer une réforme dans les affaires et appareil l'État, lui proposer une réforme dans les affaires de sécurité, lui proposer solution et réforme dans les affaires de justice. Donc, je dis à débat, lui doit être fait dans sa mêlée, qui ça doit être fait et comment il va le faire. Donc, c'est peut-être la dynamique ça, bataille politique a commencé. Pour vous montrer que Jean-Michel Lapin a dit un bagage et puis tout l'a fait un autre bagage. Non, ça va Jean-Michel Lapin et le monde qui est habitué avec moi est capable de témoigner dans ce sens-là. Qui sont les en dynamique à long terme, Jean-Michel Lapin? Dynamique à long terme, et dans 20 mois après l'élection du pays, mouvement politique, nouvelle orientation, vient intéresser dans l'élection et ceci dans toute poste et dans tout pays. Dans tout poste, dans tout pays, ça veut dire Jean-Michel Lapin, il a couru, il a fait briller, parole la marché, laissé candidat pour poste premier ministre. Il n'est pas candidat pour poste premier ministre, il n'est pas candidat pour poste premier ministre. Nous, Kawel, dans 20 mois, si l'élection organisée dans le pays comme candidat à la présidence? Nous, nous dynamique, en de nouvelle orientation, nous, nous leadership collectif, responsable et au moment opportun, on a réfléchi en groupe, on a agi en groupe. Au moment opportun, nous allons regarder dans le mitan nous qui est-ce qui a porté pouvoir et qui est-ce qui est capable d'aller derrière pouvoir. Parce que nous avons une différence dans ce sens-là. Moi, qui a porté pouvoir, il a besoin moins de temps et moins de moyens. Moi, qui a porté derrière pouvoir, il a besoin plus de temps et plus de moyens. Donc, au moment opportun, on a connu à qui ça. Jean-Michel Lapin, candidat dans le pays. Il a dit encore, mouvement politique qui relève la nouvelle orientation, il prend l'élection hein, à tout poste et dans tout pays. À tout poste et dans tout pays, mouvement, la nouvelle orientation, c'est nouvelle structure politique ça qui est certainement ou à diriger. Oui, c'est jusqu'à présent, c'est moi-même qui coordonnateur national, mouvement, et son mouvement politique qui est ouvert à toute alliance politique parce que nous croyons dans sa assemblée capable d'assembler. Ça, c'est là, je dis, et pas grand grand monde, ou bien un petit groupe de monde qui a porté sur les épaules. Parce que je dis,
c'est dynamique pour les épaules. Nous vivons côté pays, hein, Haïti, peuple, il a besoin d'un mariage. Un mariage qui doit déboucher sur un complot positif entre classe politique, société civile, secteur économique. Un mariage. Bénéfice du bien-être collectif. En entrée d'emblée, c'est vrai, non pas inscrit dans l'ISA, mais a fait parler de lui. Rimeo a parlé de tous côtés, ou démenti là. Certainement, il y aurait Jean-Michel Lapé un bel profil. Peut-être qu'il y aurait Jean-Michel Lapé un bel profil qui était capable de venir faire un bon premier ministre par rapport à passage lui. Bon, bref, ou pas déposer pièce, pas constructif déposer pièce pour vous-même, ou à peine dit là, dans boucanter la parole. Mais quand même, ou a préparé ou non dynamique à long terme pour participer, pour nouvelle structure politique que vous avez dirigé à participer dans l'élection de fait en d'un pays. Comment vous observez ça qu'a fait là? 9 conseillers, plus de 100 personnes déjà fait des populations pour venir premier ministre d'un pays. Bon, et nous en plein de la démocratie. Moi, je pense que le conseil présidentiel là, qui est très affirmatif sur la décision, qui a dit qu'il y a ouvert candidature pour premier ministre là, à 9 ensemble des secteurs, ou du moins 9 conseillers, qui secteur fidèle, 9 conseillers, qui t'a fait déjà 9 candidats en place. Donc, non, et officiellement, ça veut dire, secrétariat qui a une responsabilité pour. Allô? Présenter un monde pour qu'il t'a fait 15. Mm-hmm. Donc, 9 premiers monde qui déposé pièce UA, qui fait 9 secteurs, ou bien 15 monde qui fait 15 secteurs, et de nous faire mes candidatures. Mm-hmm. Je ne dois pas accepter, un, pour y recevoir plus monde par secteur, deux, pour y quitter l'autre monde qui n'a pas gagné. Qui pas fait partie des 6 secteurs qui ont été invités à venir poser pied sur venir poser pied. Donc, c'est nous en plein dans la démagogie. Nous sortis dans la démagogie en tant considérant lui-même nos affaires présidence tout le monde. Nous aujourd'hui nous tomber encore dans la démagogie avec histoire poser candidature pour poste premier ministre. N'ayons pas qu'à continuer à faire pays à ça. Donc nous-mêmes, les notés ou est solution ça. Que nous te dit son solution à la haïtienne, Jean communauté internationale là, te a demandé ça, et là nous te gardé profil qui te rend dans le conseil là, nous pensons, pour la main, après un leadership de gouvernance qui dégage, pour ne pas aller vite, puis nous montons un gouvernement, créer un conseil électoral dans l'esprit de la constitution pour au plus vite. Nous attaquer grand problème, hein, gros défi qui est lié à l'organisation élection yo, pour nous sortir pays dans ça qui est lié. Donc, c'est pas ça nous constater. Nous sortir dans la démagogie, dans le conseil là, mais nous tomber dans l'autre démagogie, dans les affaires premier ministre. Nous allons tomber dans la même démagogie là, mais on va arriver pour choisir ministre. Nous allons tomber dans la même démagogie là, mais on va choisir membre conseil électoral. Donc, membre du conseil là, pas oublier, les gars, rendez-vous avec nouveau président élu le 7 février 2026. Mm-hmm. Pour que 7 février 2026, l'élection doit commencer en octobre 2025. Et dès octobre 2025, à aujourd'hui, ça fait à peu près 16 à 17 mois. Dans le temps normal, nous n'avons pas tout problème ça dans le pays. Nous avons besoin au minimum 18 mois. Pour nous réaliser une élection acceptable. Rivé organiser une élection acceptable et déjà ou dénoncer un ensemble démagogie, que ce soit dans CPA ou bien dans façon processus pour faire choix premier ministre lui-même démarrer, nous connaît qui bout jeudi a, mais comment redresser ensemble démagogie ou cité là? Bon, pour redresser ensemble démagogie et que CPA ou du moins groupe secteur qui veille CPA
y a une obligation de retourner dans l'accord, qui dit clairement que le conseil présidentiel là doit gérer par un président ou bien un coordonnateur. J'en voulais l'élève. Mm-hmm. Donc, en fait, présidence tournante ça, hein, capable de mener nous non primature tournante et pour qu'il y ait encore pour qu'il y ait plus de crise qui va mener le pays à dans plus de problèmes. Mm-hmm. Même là, il y a assurance, car il y a une assistance internationale en matière de sécurité. Donc, il est possible, malgré présence blanche, de la guerre civile. Parce que si, je dis, ou bien dans un jour qui va venir, qui va sortir de là, puis on m'a demandé pour le faire, puis on goûte contre la vie chère, pour y demander au mieux pour petit yo, hein? À ce moment-là, pas de aucune force internationale qui pourrait le contraindre. Donc, il y a possibilité pour nous gagner une de la fin qui est capable de déboucher sur des civils dans le pays. Mm-hmm. Donc, ça veut dire, pour ne pas tomber dans tout ça où prévoit l'AIO et mettre de la fin, guerre civile dans le pays, arriver à organiser l'élection, il faut que messieurs, dames, vous prenez tête très au sérieux, il faut comprendre que le bon pays n'est pas attendre. Justement, vous commencez dans une dynamique qui était acceptable. Parce que nous avons gardé CPA nous-mêmes, composition CPA, nous avons bien. Trois leaderships de gouvernance qui est capable de dégager en dans ce pays. On leadership de gouvernance à partir de l'ingénieur architecte et le Sir Voltaire. Hein? On leadership de gouvernance autour à partir des anciens gouverneurs Fujian, hein? Et sénateur Edgar Leblanc. Nous avons trois mounzaïo qui gagnaient Sandy Carrelé. Expérience et métier dans la gestion de la chose publique. Parce que c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Là. Nous avons besoin de leadership très, très technique pour qui présenter un agenda d'action et avec un premier ministre fort, avec des ministres d'expérience, particulièrement dans le ministère intérieur, dans le ministère justice, au secrétaire d'État à la sécurité publique, le ministère de la Défense et le ministère des Finances, ensemble d'institutions qui généralement prennent gagner pour participer dans le processus électoral. Parce que je dis à là, même gens dans le conseil électoral, là, nous n'avons pas gagné un premier ministre, ni ministre dans le secteur côté de nous disons là, qui prennent prendre fonction. Ni tout malheureusement, là, vous obligez de tourner vers des mondes qui est habitué à faire élection dans le pays, parce que nous n'avons pas un bon conseil électoral avec des gens qui peuvent apprendre à faire élection. Pas de temps pour ça. Donc, nous pensons à l'avenir, dans le long terme, gens que nous-mêmes, nous commençons à prendre la nouvelle orientation, côté que nous pouvons venir avec une administration électorale permanente. Au lieu que nous continuions à parler de conseil électoral permanent, nous-mêmes nous disons que j'ai besoin d'une administration. Non, la constitution dit conseil électoral permanent. Oui, oui, au lieu de parler de conseil électoral provisoire. Oui, nous avons permanence dans le provisoire. Okay. Hein? Mais ce conseil électoral permanent, nous-mêmes nous proposons une administration électorale permanente avec des véritables techniciens qui sont des fonctionnaires de l'État. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une élection, ils viennent avec un conseil électoral, avec un ensemble de monde qui sont des contractuels dans l'État, aussi dans le conseil électoral là, aussitôt que l'élection finit, Mondario, ils ont éparpillé, ils ont évaporé de la nature. Non. Nous faisons une administration électorale permanente qui a réfléchi à l'élection. Et dans ce sens-là, nous avons toujours parlé
pour organiser l'élection au moment opportun. Alors, nous allons finir. Vous parlez d'un premier ministre qui fort, qui connaît l'État. Vous parlez tout d'un gouvernement qui a un bon technicien, de, bon ministre intérieur, bon ministre défense, bon ministre justice, bon secrétaire d'État sécurité publique. On exercice parce qu'on passe dans notre primature déjà. On garde ensemble des gens qui inscrit là, certainement sont celles qui ont sorti comme premier ministre. On essaie mouton gouvernement. J'ai expliqué le premier ministre qui fort avec des bons ministres. On essaie mouton gouvernement là. Donc, on peut maintenant pour ne pas réagir sur les certains. Parce que je vous dis, j'aime dire tout à l'heure, officiellement, hein, CPA, gouvernement, faillit à responsabilité. Pendant que vous avez fait mes inscriptions, vous avez une responsabilité pour communiquer à la nation, mais liste ensemble de monde qui candidat au poste de premier ministre. Et entendre comme dynamique là, doit obligatoirement déboucher sur trois mondes. Il faut que le processus là prévoit ça. Donc, laisse ça, si que vous jugez nécessaire pour ta joindre une réaction sur question ça, à ce moment-là, m'a mettre disponible, hein, laisse ça pour me dire, à partir des trois mondes qui étaient, mais qui monde, effectivement, qui est capable de répondre pour y mener le pays vers les élections. Merci un peu, Jean-Michel Lapin. Je vous rappelle où sont premier ministre Andabia. Merci un peu. C'est moi pour remercier et on a dit bonsoir à tout le monde qui débranche chaud à soir. Merci. Nous avons parlé avec Jean-Michel Lapin, ancien premier ministre pays d'Haïti, ancien tout ministre de la culture pays et d'Haïti. Nous avons fonti et parlé avec lui là et c'est là combat lui-même lui pour le mener. Maintenant, lorsque Mounio arrivé, sélectionner tout premier 15, Cabral Redi à 3. Et c'est dans trois moun yo y a pou faire choix en premier ministre et les ça n'a pas regardé et réalité a souhaité m'a belle chance pour le faire li mettre faire conférence scolaire là pour le faire connexion yo nous va le font parler avec moun di n'est pas et notamment nous va parler avec Guito Edouard de la Dinepa. Oui, j'ai bien dit de la Dinepa, c'est direction nationale de l'eau et de l'assainissement. Nous va le parler tout avec directeur régional Dinepa, ou bien nous allons parler avec coordonnatrice programme Grand Nord et directeur Orepano. Nous allons parler avec coordonnatrice programme Grand Nord et Guito Edouard, qui est directeur général Dinepa. Nous allons parler avec trois mounes là sous ensemble des activités à réaliser dans deuxième ville pays. Non seulement facilité pour de l'eau capable de retourner dans le robinet tout le monde dans la deuxième ville pays a, mais tout nous patrimoine nous sommes effleurés là. L'aime te poser la question hein, sous un projet de 11 962 940 goud que je n'ai pas à travers Banque Interaméricaine de Développement, ça n'est le bidla, un projet qui a fait un assainissement dans la deuxième ville pays. Pour moi, vous regardez, capable de rendre la ville lui-même lui propre et bid, passer par Dinepa pour l'investir. L'argent a 11 962 942 goud dans la deuxième ville pays pour propre ville là. Et son argent qui presque valait à 100 000 dollars américains. Guito Edouard, bonsoir, merci parce que vous êtes disponible pour nous. Et ma salle de Ralestin, ma salle de Météo Nodlan et ma salle de Madame Cindy Cyprien qui souligne là avec moi. Malheureusement, moi je ne pas là, mais ma demande Madame Cindy Farah Cyprien présenter lui auprès de l'auditeur et auditrice. Bonjour tout le monde, bon femme Cindy Farah Cyprien. Moi, à travailler dans Dinepa, spécialement au Cap Haïtien dans le bureau au Repano. Moi, c'est chef programme, nous relève 4697, et c'est à travers le programme ça que nous gagnons projet appui nettoyage au Repano avec la mairie Cap Haïtien. Et n'a pas essayé de garder ça capable faire avec deuxième ville pays qui vraiment
dans une situation extrêmement difficile. DG Edouard, malheureusement, nous n'avons pas de directeur Ripano avec nous, Poisson, mais nous avons Mme Cyprien qui est là, et nous avons même tout comme directeur général d'INEPA. Essayez de présenter nous, mettez campé pour nous-mêmes, activité, n'a pas entreprendre à travers Big Passé par d'INEPA pour réaliser travail et nettoyage sans bien appui à la municipalité du Cap-Haïtien. 11 962 940 gouttes. Bon, Valérie, il faut dire qu'au niveau de l'INEPA, il faut passer grand. Et à l'instar de un gros politicien français, Jean-Luc Mélenchon, qui dit comme ça que la planification, c'est la gestion du temps long. C'est-à-dire que ne pas penser à assainissement et 90 000 dollars en magistral Mono se dit là que me saluer, qui est très correct. Dans l'idée, tout récemment, on a rencontré avec lui, avec membre société civile là, Marco, M. Jean-Darry Denis, pour me citer ça seulement, et M. Gauthier, et côté que n'a parlé de comment Villa et même le département non là capable d'aller plus loin. Et nous avons souhaité que même des massas, que les gens du Sud, qui toujours un petit peu moribond, et après la mort et Gabriel Fortuné, pensez dans le même sens ça. Et quel que soit où tu as besoin, où tu as joué 10 fois 90 000 dollars à Maïs, là, où tu n'es pas capable de faire grand chose pour une commune si pas bien s'annuler et la planification urbaine, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. Rappelons que où c'est mon nano, où on s'y l'a appelé tombé, et puis regardez comment Villa, regardez comment route principale, la course au Tinao et Rodica pour aller barrière bouteille et puis pour aller vers Boulevard, là, on a pu remarquer qui ça, ça a représenté. Et vraiment, et son salubrité qui opère. Et je crois que, quel que soit où tu es capable de plus que ça, ou pas capable de faire plus que ça que tu as fait là, parce qu'il faut que nous passions grand, il faut que nous passions long. Et en fait, faut nous penser sur le long terme. C'est vrai, bid demander et bid ba nous coûte, mais sous demande nous au mois de février. Et rappelons que magistrat se dit ce matin là devant au gradé du pouvoir, yo, côté que tu as pris pour mettre les 3 millions de gouttes. Et toute discussion, même ministère économie et finance de 3 millions de gouttes là-bas, et puis magistrat Yves Pierre dit pour ça que comme babaye 43 millions de gouttes pour mettre pour la et pour travaux publics et puis on goutte babaye. Tout le monde sous glosse et c'est le plus gros problème qui vient dans le pays là. Maintenant des lapins qui a parlé là, que me salue. Mais faut la faute à dire la paix pas de pouvoir du tout. Et la parole de ci, de ça, la gestion de la chose publique. Et, mais toi, vous avez une question pour te poser. L'élu que vous le ministre, qui ça a été fait, quels sont les résultats qu'il a obtenu pendant la période ça. Son explication de Vinbaï sous le nom de cité. Son explication là. Nous avons interview avec lui parce qu'il parlait de gestion à long terme. On va comprendre que je n'ai pas de problème avec la personne en lui-même. Nous avons téléphoné lui, si vous voulez là, la pour appel là. Mais il faut dire que je ne pas tout qui m'a des affaires, j'ai parlé là. Et nous croyons que bon, c'est un problème pour nous résoudre. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas allé au niveau de la DINEPA et de projet pour toute ville-là, du Rosicap jusqu'à Petit-Anse, Madeleine, Fort-Saint-Michel, Centre-Ville-là, Guédelot. Et tout récemment, là, je me suis rencontré avec BIT au niveau de la frontière, je suis BIT garanti. Et Pierre Bernard des Poissons, qui est directeur régional, là, qui a passé en pile de difficultés avec les scandales qui gagnent au niveau de Port de Péa. Bah, garantie, eh bien, faut que Villa commence à gagner de l'eau dans les trois prochains mois à venir. Et engagement, ça a été une balbi. Et c'est parce que c'est plus que 53 millions de dollars qu'a payé. C'est vrai, comme Kale Ditelis Mati, c'est Monocap, qui est superviseur et un petit peu général. De travaux qu'a fait eux, il n'y a pas d'omelette sans les œufs cassés. Donc, c'est-à-dire, donc nous bail garantie que nous avons crasé route, nous avons posé tuyaux
et la préfecture plus bien que les gens ont été. Donc, soit après, il y a des zones qui commencent à être de l'eau et deux réservoirs au niveau de Bel Air qui ont une capacité de plus que 2 millions de gallons, eh bien, commencer et gain de l'eau. Et de la rue 12, de la rue 2 jusqu'à la rue 12, entre les lettres A et L, gain de l'eau. Mais n'a goûté là, pendant moins de un mois, pour de la rue 12 jusqu'à la rue 24, entre les lettres A et L, gain de l'eau. Et n'a fait en sorte que Pétitance, toute zone, ça au fond Saint-Michel, gain de l'eau. Nous parlons de clivage, n'a travaillé avec délégué, n'a travaillé avec les restes là, à savoir Yves Oster, Yves Pierre, et n'a travaillé avec magistrat Almonor que nous rencontrons, mais troisième, mais là, nous ne pouvons pas reconnaître lui, mais nous souhaitons faire ça, et notamment, Valestin, je ne connais si Mme Cyprien, j'ai deux, trois, l'autre information qu'elle est capable de partager avec vous, à moins que vous ayez une question précise. Alors, s'il n'y a pas de trop de livres ajouter à ça, ou dit là, moi, je voulais garder avec Mme Cyprien, Donc, gardez ce projet très rapidement avec nous dans l'émission Boukanté et la parole. C'est l'activité de nettoyage dans la deuxième ville pays qui est financée par Banque mondiale. On garde très rapidement, Madame Cyprien, comment travail si la pour le réaliser. Est-ce que c'est un travail qui concerne seulement centre-ville cap-haïtien ou bien l'autre commune dans le département noir qui a bénéficié de lui? Et premièrement, c'est BIS, c'est Banque interaméricaine de développement, qui baille support à l'État haïtien, genre c'est si bien dit là, à hauteur de environ 90 millions de dollars américains, qui fait 11 millions de gouttes. 90 000 dollars par million. 90 000 dollars, merci. 90 000 dollars. 11 millions de gouttes, 90 000 dollars. C'est un travail qui a fait principalement dans le centre-ville. L'autre côté, pour le moment, pas bénéficier. Bon, liste, pour qui ça? C'est parce que nous-mêmes, a priori, nous pas dans déchets solides. C'est un support que nous baille la mairie et qui a aidé nous-mêmes dans le travail que nous avons fait pour nous avoir continuité de travail. Mm-hmm. Pour nous assurer nous que l'environnement côté entreprise a exécuté le travail. La fête d'un environnement qui est propre et sain pour les résidents. Ça permet de renforcer le partenariat nous gagnons avec la mairie et les autres parties prenantes. Donc, j'ai déjà dit, dernièrement, le directeur général, c'est non-mission de suivi et de supervision. Nous avons fait une rencontre avec certaines parties prenantes de l'an. Et nous avons mettre toute la en close. Surtout, ça qui est plus important pour nous, la sensibilité de la population, pour nous voir un impact positif et pour nous-mêmes, nous bailler le bras pour nous montrer qu'avec un petit travail en plus, nous sommes capables de procurer un bien-être collectif. Sous-permettre, maintenant, des fois, ça fait un gros effort pour lui retirer l'école côté radio là, qui ouvre là. Surtout, je souligne encore, je demande pour lui, nous gommions pour lui là, parce que je crois que lui, juste Saint-Louis du Nord, s'il va arriver au Cap-Haïtien. Oui, nous connaissons DG. Alors, directeur Poisson, bonsoir. Merci parce que nous rejoignons. Et Nabdou, bonsoir, Valestin. Et puis, Nabdou, tout le monde qui a présenté nous là. Et bonsoir, et puis, Nabdou, salut DG. Oui, son les fins de département dans la région net parce que les montées descendent pile dans la région. N'a pas les là avec tes poissons sur projet nettoyage deuxième ville PIA qui gagne quatre sections communales pour un montant de 90 000 dollars américains. C'est Banque interaméricaine de développement. Nous regarder avec Madame Cyprien déjà. Mais moi poser question, est-ce que c'est centre ville là qui est concerné ou bien les quatre sections communales fait partie des projets ça? Et nous sommes capables de jouer exactement et tu mets ça sur le Là, je pense que directeur Poisson déjà l'a bougé. Oui, la bougé, n'a pas obligé de tirer lui parce que nous désolé. Eh bien, exactement. Et c'est 90 000 dollars, Jean et Maïssa, ce dit là, la Madame Ségrien, ce dit là, mais une dernière phrase dans le document que je vais vous parler. Oui, oui.
et nous tellement un petit peu voyons une mauvaise image aux yeux de la communauté internationale et aux yeux des bailleurs de fond. Ils nous consacrent comme ils ont la vie une vérité pour des bordels. Non, et non, nous non, non, DG. DG. Il va dire combien il y a une vie si je dépose, il y a une vie est-ce que vous voulez faire oui. Donc, vous pouvez imaginer, vous vivez dans une situation côté que vous ne pas prendre au sérieux. Ouais. Et c'est plus, ou bien nous dit comme ça que nous levons tête, nous disons pas prendre comme la vie n'est pas faite, ouais. Ou bien ou garder tête, ou font analyse rétrospective pour garder puis devant, mm-hmm. Vers ça les. Une analyse prospective pour dire mon cher, eh bien moi admettre que grand ensemble de corps qui était toujours bas qui n'est jamais arrivé à dépasser, eh bien faut que moi ouais comment capable de gérer, capable de faire un nouveau deal avec les partenaires. C'est ça que je constate, yo bon comme là, et faut nous dire que avant goutte qui arrive dans la même Myria, c'est Myria qui présente nous un ensemble de besoins. Assainissement si et ça, et puis Kounia nous mettait d'accord, nous dit bah oui, mais ça c'est la fête. Mm-hmm. C'est qui film qui a exécuté? C'est qui film qui a exécuté et projet ça, DG, et comment ouais. Nous répartis mon temps? Oui, grand ensemble de, m'balle bah, madame, si vous avez une possibilité de lui parler, mais grand ensemble de films qui sous contrat avec Dinebal qui vient des engins lourds, et nous dit yo, consacré, yo présenté une stratégie bah nous. Et gain des groupements de films tout, n'a salué Spina, n'a salué groupement JB Design, n'a salué groupement GSB, c'est-à-dire Great Coso Eco Burel, n'a salué CK avec Obinfra, et y a un ensemble d'entreprises qui ont exécuté des travaux pour nous. Comme il y a des anciens loups qui mobilisaient, il y a des pratiques de travail dans la zone là. Tout au moins, nous promettons que de temps à autre, nous avons enlevé une série de gros dépôts phares. Mais, il faut nous dire ça, pour que nous enlevions aujourd'hui et puis demain, retourner puis reste. Parce qu'il faut que nous définissions une stratégie. Il y a 50 millions de dollars que la Banque interaméricaine de développement mettait pour l'État haïtien, pour construire aussi des décharges. Et même maintenant des sociétés civiles cap et au Cap-là, avec toutes zones avoisinantes, Limonade, Cachemorin, mettez-vous d'accord pour construire ces déchargeurs et puis pour mettre en place société anonyme, Nixlan, et bien pour nous capables finalement de gagner une ville du Cap-Haïtien qui représentait la grande image de la République d'Haïti, parce que Port-au-Prince a abandonné, territoire perdu, etc. Eh bien, au moins, pour nous capables de gagner une ville qui a fini dans l'extrême. Par contre, si madame, vous avez une dernière précision sur la question là. Non, mais pas vraiment déjà, parce que vous êtes assez clair. Vous avez fait baliser nos firmes ou groupements qui travaillent pour nous dans le Cap-Haïtien, qui c'est Spina, c'est Kaobin Fra, groupement Zeko du Resto Eco avec JB Design. L'itemen de a priori, c'est dans qui zone que travail nous a fait. Travail nous a fait dans zone haut du Cap, la fête dans zone Petit-Anse et la fête dans centre-ville Cap-Haïtien. Mm-hmm. C'est dans zone ça yo firme yo gain intervention et c'est là que n'a réalisé travail. Et zone Kapouka, Saint-Philomène, Barrière Bouteille, tout ça yo, c'est des zones d'intervention que nous gain. Mais combien de temps et activité a duré, madame Cyprien? Bon, nous, activité, nous gagnons qui se prévoit sur environ 22 jours. Ok. Mais nous gagnons ensemble qui commence déjà, qui c'est un support que n'a pas la mairie en termes de carburant, qui c'est directeur poisson, je dis, a fait en remise ensemble de matériel, pour bourrette, pelle, genre, pour lever patraio. Mais avec la mairie, n'a fait planification, alors surtout par l'intermédiaire de directeur poisson, n'a fait planification qui gagne dans l'aspect opérateur, moun yo que n'a pral formé équipe yo, chef d'équipe yo, qui pral bay application, qui pral fait travail ça effectivement. Mais je dis, un directeur poisson, t'es fait remise et ensemble de bourrettes, de pelles qui croient à la mairie, c'est
deuxième action nous jusqu'à présent dans travail ça. C'est pas l'Amérique qui fait gestion projet a, mais quand même c'est même qui superviser lui, la superviser superviser qui ça participation l'Amérique haïtien lui même lié dans activité de nettoyage ça. Bon, si j'ai une méthodologie en yé, tant que le directeur général a dit nous, c'est firme que nous avons qui déjà sous contrat ensemble avec nous, dans la zone d'intervention, yo, nous, avec la mairie, c'est bien aussi ça parler un directeur régional là, avec Merlin, qui définit la zone qui gagne pour nous faire tirage la bouille dans le canal yo, et puis pour nous évacuer vers un site approprié que la mairie mettait à disposition nous tous. Donc, la mairie, toute coordination, toute validation, c'est la mairie qui baille. Nous-mêmes, par exemple, quand nous sommes là, aspect chef d'équipe, là, c'est la mairie tout. Il dit nous, mais qui quantité de monde que nous gagnons, et puis nous-mêmes, nous mettons l'argent. Nous mettons l'argent dans le budget noir, et puis nous allons faire un paiement pour la mairie. À travers un compte ou bien un moyen que nous avons défini ensemble avec nous. Donc la mairie a une très grande implication parce que le budget n'a pas appel pour compte nous. C'est avec eux-mêmes nous définis besoin et puis qui fait nous mettre application budget. Mais comme nous parlons pas de déchets solides, donc le magistrat est d'accord que le montant ça a les petit, mais c'est support ça que nous sommes capables. Pour nous aider à changer figure ville Cap-Haïtien. DG, pour nous finir? Oui, eh bien, pour nous finir, donc, Fondou Valestin et Jean-Ismaël Valestin, nous passons maintenant le Nord, nous avons un pays, il y a un gros travaux pour nous réhabiliter, construire un gros réseau pour ville Gonaïve avec zone avoisine qui est en cours d'exécution, qui a passé très bien, et la Scaouba ne s'est pas parlé. Et mon hèche commence à réconcilier et faire un mot avec Dile Park, mon content. Et directeur Gélin, et qui fait directeur au repas, a fait gros travail avec toute l'équipe, lui, nous saluer ça. Et puis, on connaît, nous toujours, tout partout, hier, nous sommes sortis là, c'est pas au avec un peu de difficulté pour nous passer, mais nous arrivons à passer quand même. Et ça nous a toujours accompagné nous. Et nous travaillons dans d'autres côtés de pays. Nous saluons tout le bailleur de fonds. Ce n'est pas seulement BID, Banque mondiale, et coopération espagnole qui a un gros bourrin, coopération suisse pour me citer ça seulement. Donc, nous travaillons même à Mando, à l'Estin. Et mon cher Fonou, si nous dépensons ce pays, il faut venir avec de nouvelles têtes. Gros paquet de nègres qui a allé, qui a retourné, il y a beaucoup de jeunes dans la rue, qui ont des affaires. Et puis j'ai eu contribué de près ou de loin pour mettre bien ça là, je le dis là. Nous pas dans bouillon refaire encore. Faut que nous passions pays, faut que nous passions vers l'avant. Nous pas dit que nous pas importe. Faut que nous soyons capables de faire une contribution au niveau de l'autre sous forme de conseil. Mais faut que nous fassions camper et puis pour nous passer pays parce que y a propre des autres. Il y a des nègres là qui ont fait toute prestation. Que nous avons finance, que nous avons travaux publics, que nous avons d'autres secteurs, agriculture, qui font les gens là. Pour passer maintenant à tête conseiller, pour retourner, pour ne pas bailler un rien et l'image pays a détérioré. Pour nous traverser en République Dominicaine, nous avons dit deal. Nous ne pouvons pas aller de côté. Et c'est extrêmement grave. Un premier ministre qui quitte le pays, là, ou pas qu'on a quitté conscience qu'il quitte le pays. Eh bien, travaux d'une État au camp pays. Bon, lorsqu'on ne peut pas faire rien. Donc, il faut que nous pensions le pays autrement. Il faut que nous projetions une nouvelle image de la gestion de la chose publique, de la République en Haïti. Bonne soirée, merci en ville. Merci, Madame Sibou. Merci, directeur Guito Edouard. C'est un plaisir pour nous de parler. Moi-même tout. Merci. Voilà, nous avons parlé avec Madame Sandy Cyprien et directeur général du NEPA, Guito Edouard. Mais malheureusement, nous avons une chose pour nous parler avec Poisson, qui est même cap sorti en province. Nous connaissons la situation. Il est extrêmement difficile. Ok? Eh bien, je pense que il y a des remarques importantes. Il y a des remarques importantes qui sont faites là. Bon, il y a des remarques importantes.
Emma petite gardère. Emma. Son malade. Mais depuis matin m'a réfléchi à ça hein. Mais on connaît. Fon bay la parole. Il y a pile monde qui écrit nous là. Il y a pile monde qui voit question vous dîner pas. Mais dîner pas même depuis la parler, toujours grand pile question pour lui. Mais un jour on a fini, on a pris ce problème ça. On est là des compé avec malade c'est vraiment là on paye avec malade c'est pour faire les comme si là on paye plongé on l'homme nous sont nos maladies ou malade très mal grave faut manger un peu lui pour répondre faut manger un peu lui pour répondre nous devons vraiment content pour déposer émission ça pour même demain c'est 18 mai